On va travailler, on va continuer avec l'attente. Pardon. Dans le chapitre 1, on a travaillé sur la structure d'un atome, de quoi former un atome, où se trouvent les particules à l'intérieur d'un atome, quelle est la charge, quelles sont les caractéristiques de ces particules. Aujourd'hui, on va travailler sur ce qu'on appelle configuration électronique ou les répartitions des électrons dans les atomes et le tableau périodique. Alors, c'est quoi la répartition des électrons dans les atomes? Pour bien savoir c'est quoi la répartition des atomes, alors, il faut savoir, d'après ce chapitre, décrire la configuration électronique d'un atome. C'est de définir c'est quoi couche de valence et c'est quoi le nombre d'électrons de valence. Alors, monsieur, on a dit que l'atome a une forme ou contient un noyau. Autour de ce noyau, qu'est-ce qu'on a? Nuage atomique. On a ce qu'on appelle le nuage électronique. Alors je répète, à l'intérieur d'un atome, il y a un noyau central. Ce noyau contient des protons et des neutrons. Monsieur, autour du noyau, Il y a les électrons. il y a ce qu'on appelle le nuage électronique. Regardez ici. Alors, ce sont le nuage électronique. Où se trouve quoi? Les électrons. Bien. Les électrons. Pardon. Monsieur, aujourd'hui, on va parler de la distribution des électrons sur le nuage électronique. Bien. Est-ce que les électrons sont distribués d'une façon aléatoire autour du noyau, est-ce que, ou combien y a-t-il de niveaux d'énergie? Combien y a-t-il d'électrons sur chaque niveau d'énergie? Et comment peut-on savoir la répartition des électrons sur le nuage électronique? Monsieur, au début, il faut savoir que les électrons tournent autour du noyau. Donc, les électrons ne sont pas fixes. Ils tournent. Cette circulation des électrons autour du noyau forme ce qu'on appelle nuage électronique. Le nuage électronique à la circulation des électrons autour du noyau, cette circulation forme ce qu'on appelle nuage électronique. C'est de 1. Monsieur, chaque électron ou chaque ensemble d'électrons possède des énergies. Cette énergie entraîne les électrons sur niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, de 1, on a 7 niveaux d'énergie, ou ce qu'on appelle le couche. Monsieur, c'est quoi le niveau d'énergie? Ce sont les niveaux où les électrons se trouvent.
Donc ici, c'est le niveau N égale 1, N égale 2, N égale 3, il y a N égale 4 jusqu'à 7. Ces niveaux d'énergie sont appelés K, L, M, N, O, P, Q. Quel niveau, monsieur, fait un nom? Il y a un niveau N égale 1, il y a la couche M. C'est L, c'est M, c'est N. Pardon. C'est K. L, M, N, etc. Fais un esthèse. Autour du noyau, on a dit qu'il y a des nuages électroniques ou ce qu'on appelle niveau d'énergie. Il y a sept niveaux d'énergie, c'est-à-dire les électrons sont distribués sur ces niveaux d'énergie. Il y a des messieurs dans le vide ici, Hon. Hon, même il n'est un électron. Donc, où se trouvent les électrons? Se trouvent sur le nuage électronique. Autour du noyau, il y a sept niveaux d'énergie. Pour N égale 1, le plus proche du noyau, c'est N égale 1, c'est le niveau K. N égale 2, c'est le niveau L. N égale 3, c'est le niveau M. N égale 4, c'est le niveau N, etc. Pour vous, on va travailler sur les quatre premiers niveaux. Jusqu'à maintenant, y a-t-il des questions? Monsieur, y a-t-il des questions? Non, Stas. Ok, très bien. Alors, sept niveaux d'énergie. On commence à énumérer ces niveaux de plus proche du noyau et on continue. Donc, N égale 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire K, L, M, N, O, etc. Monsieur, le nombre d'électrons sur ces niveaux d'énergie n'est pas le même. C'est-à-dire, chaque niveau d'énergie contient un nombre maximal d'électrons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si on veut faire un tableau comme ça, donc c'est le niveau, et ici c'est le nombre d'électrons maximal. Donc N égale 1, N égale 2, N égale 3, c'est N égale 4. Pour vous, c'est K, L, M, N. Monsieur, sur le niveau K... Vous venez sur le tableau, Abdaftar? Non, 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 n'écrivez rien. Attends. Mahada Yitub Shihala. Monsieur, pour le niveau K, le nombre maximal d'électrons, c'est 2. Pour le niveau L, c'est 8. Le niveau M, c'est 8. Et ici, c'est 2. Monsieur, Mishnahna, on a étudié le 20 premier élément. Mishnahna, how did you start on this test? يعني أكثر نمبر ديليكترون قد ايه وصلنا له 20 20 وصلنا للنمبر اتوميك ايجال 20 يعني نمبر دو بروتون ايجال نمبر ديليكترون ايجال زد ايجال 20 كرمالك استاذ نحن المطلوب منا بس دو ديتيدي لا ديستريبيسيون دو 20 بروميير اليمون يعني 20 بروميير الكترون 2, 8, 10, plus 8, 18, plus 2, c'est 20. Là, monsieur, à niveau 1,
le niveau 1, on peut trouver plus que 2 électrons. Mais pour vous, on fait la configuration ou la distribution jusqu'à le niveau 1. Et avec 1, contient 2 électrons. Là, nous, on a travaillé sur le 20 premier élément. Question. Non. بس علو صوتكم ما عم بسمع. هذا لازم نحفظه إنه الكا إقال دو والال ويت والام ويت والان دو. On va parler, monsieur, qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce qu'on doit étudier. Mais de un, question à propos de ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Y a-t-il de questions? Alors, on a su qu'autour du noyau, il y a des niveaux d'énergie. Sur ces niveaux d'énergie, on trouve les électrons. Et chaque niveau d'énergie contient un nombre maximal d'électrons. Maintenant, si on va voir, si on va savoir comment les électrons sont distribués pour n'importe quel atome. Exemple pour, par exemple, c'est le Li3. Si on a, monsieur, le lithium, pour savoir comment les électrons sont déplacés, sont distribués à l'intérieur de cet atome, il faut écrire ce qu'on appelle la configuration électronique. C'est quoi la configuration électronique? C'est la distribution des électrons sur les niveaux d'énergie. Yani, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si on a l'atome de lithium, Li3, monsieur, que représente le nombre 3? Que représente le nombre 3? Nombre de masse. Non. Niveau 3. Numéro atomique. Très bien, c'est Z, monsieur. C'est le numéro atomique Z. Monsieur, est-ce qu'on peut maintenant écrire la configuration électronique de lithium? Malak. Salami. Malak. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est quoi la configuration électronique, hein, Malak? Malak, c'est quoi la configuration électronique? Oui, monsieur, j'ai un problème avec net, mais je ne m'entends pas. Ok, ça va, Malak, ça va. Et Rana, c'est quoi la configuration électronique? La configuration électronique, c'est la distribution des électrons sur les niveaux. Donc, c'est la distribution de quoi? Des électrons. Des électrons. Mais ici, pour le lithium, qu'est-ce qu'on a? On a Z. Alors, pour écrire la configuration électronique de lithium, il faut trouver le nombre d'électrons. Anahid. Oui.
Comment peut-on trouver le nombre d'électrons pour le lithium? Le numéro atomique Z est égal au nombre de protons. Oui. Le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Pourquoi? Car l'atome... Donc l'atome est neutre, le nombre de protons égale le nombre d'électrons égale à Z égale 3. Monsieur, on ne peut pas écrire la configuration électronique d'un élément si on n'a pas le nombre d'électrons. Quand ce cas, on a le Z. Alors, il faut chercher le nombre d'électrons. Comment? On sait que l'atome est neutre. Le nombre de protons est égal au nombre d'électrons est égal à Z égale 3. Ben. Maintenant, combien y a-t-il d'électrons pour l'atome de lithium? Mohamed Rad. Mohamed Rad. Qu'est-ce que je pense les deux premiers éléments? Nous, Estes, on demande de vous en classe 8 et classe 9 de travailler seulement avec les 20 premiers éléments chimiques. Les éléments que j'ai demandé à retenir le nom et le symbole, Ya Ali. Est-ce que vous avez un son bien ou pas bien la connexion? Oui. انا بلد انا سمعت بس عمرت عم بقطش طيب فاطمه دقيق وي مسيو combien y a-t-il d'électrons pour le lithium quel est le nombre d'électrons pour l'atome de lithium Oui, Hassan. Oui, le nombre de l'atome de lithium, c'est de. Oui, c'est d'électrons, c'est 3. Bien. C'est sur un seul. Donc, il y a 3 électrons. Hassan, tu peux distribuer oui. ces 3 électrons sur le niveau d'énergie? Oui, sur la première. Sur le premier niveau, c'est K. Il y a 2. Et sur la troisième, il y a 1. Sur le deuxième, il y a 1. Donc, monsieur, regardez. Il faut bien distribuer les électrons. Donc, le lithium, on a 3 électrons. Regardez ici, 3. Alors, pour distribuer ces 3 électrons sur le niveau d'énergie, il faut savoir le nombre maximal sur chaque niveau d'énergie. Sur K, le nombre d'électrons maximal, c'est 2. On a 3. On met sur K 2, il nous reste 1. On remplit le premier niveau d'énergie avec le nombre maximal d'électrons. Puis, on va remplir deuxième niveau. Le nombre maximal d'électrons sur deuxième niveau, c'est 8. Mais, il nous reste un seul électron. Alors, on met ces 1. Donc, c'est K2L1. Autre exemple. Pour l'oxygène en 8, c'est K2L6. Regardez, 2 plus 6, c'est 8. Par exemple, pour l'aluminium, 13, c'est K2.
L8, un 3. Estaz, je ne sais pas. Quoi, monsieur? Qui n'a pas compris? Moi. Qui, moi? Moi aussi. Rana. Estaz, vous avez compris qu'on a 5 niveaux d'énergie et ces niveaux d'énergie sont remplacés de l'ordre K, Al, Am, An, etc. Oui. Et on a dit que chaque niveau d'énergie possède un nombre maximal d'électrons ou contient un nombre maximal d'électrons. Et le K, le maximum, il est en ligne 2. Le Al, c'est 8. Le Am, 8. Et le An, on va aller à l'énergie 2. Monsieur, je ne comprends pas. Je suis en N égale 1, N égale 2 fois. Mais quel cas LMN? C'est le nombre de niveaux d'énergie. Niveau d'énergie 1, niveau d'énergie 2, niveau d'énergie 3. Il y a un niveau d'énergie où c'est K. Deuxième, c'est AL. Troisième, c'est AM. Quatrième, c'est AN. En ordre. Oui. Maintenant, monsieur, si on a un atome et on veut savoir la distribution des électrons à l'intérieur de cet atome, il faut écrire sa configuration électronique. C'est quoi la configuration électronique? C'est la distribution des électrons sur le niveau d'énergie. Par exemple, qui fait moisir l'électron? Comment? Regardons d'abord l'exemple lithium. Lithium contient 3 électrons. Si je veux maintenant distribuer ces électrons à l'intérieur de cet atome, il faut commencer par le niveau 1, c'est K. Et le nombre maximal d'électrons sur K, c'est 2. On commence à remplir K, on écrit K, et en haut ici, au coin supérieur en haut, on écrit le nombre d'électrons. Donc, c'est K2. Mais on ne peut pas écrire K3. Il y a un nombre maximal qu'on peut trouver sur K, c'est 2. K2. Combien y a-t-il d'électrons pour le lithium? C'est 3. Il reste 1. Il reste 1. On remplit le premier niveau K. Maintenant, il faut commencer à remplir deuxième niveau, c'est Al. On ne peut pas écrire Al8. Il nous reste un seul électron. Faisant Al à niveau Al, on va trouver un seul électron. Donc c'est K2 Al1. Pour l'oxygène, même chose. On a 8. Le K, c'est avec 2 électrons. Khalasna le K, Mru Al. Combien y a-t-il d'électrons? Il nous reste 6. Alors, le Al, le nombre maximal sur Al, c'est combien? C'est 8. 6. Ici, on a 6. Alors, on met le 6. Ça va? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit commencer à écrire? Monsieur, vous devrez commencer à écrire ici. Yala. Ce que j'ai expliqué, j'ai écrit ici d'une manière très simple, de manière claire. Et après, je veux te demander qu'est-ce qu'on doit étudier et qu'est-ce qu'on doit seulement comprendre. Oui, on va écrire ça sur le cahier. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez préparer le cahier. C'est chapitre 2, c'est le titre de chapitre 2. Yala, dépêchez-vous, monsieur. Rapidement. C'est le premier jour après l'école, c'est des examens. Mahdi, ma smaat, habibi, aïd. Awal yom, bad l'outli, bikon, imtihanat. Habibi, bad ma arfin shi, la, akid, mish dighri, bad l'outli.
Durant ce temps, je veux prendre la présence. L'appel. استاذ خلصنا من التيتر يا إغار استاذ موجود إغار؟ نو وي وين إغار؟ داكور أحمد وهبي صفا أنا هيد وي جاد وي صفا حسن بسام وي حسين شعيتو خزان دانا دانا مش موجود رامي وي رنا موجودة زهراء حمدان زهراء طلال موجود علي مسلماني موجود استاذ اوكي بطل علي عبد الله رسولة فزن فزن الشسم موجود احمد ذكر غسان ماضي غسان منه موجود فاطمة سعد فاطمة سعد فاطمة سعد فاطمة دقيق فاطمة أبو خليل فوزي موجودين مسيو يا بس استاذ أمر موجود لين سلامي موجود لين سرور ولين دبو كمان موجودين أوكي ماريا فردون ماريا موجود بريزونت محمد رعد موجود بريزونت محمد فواز موجود موجود محمد صبرا منه موجود اوكي محمد بلحص موجود ملاك سلامي موجود ملاك شعيتو موجود مهدي عطيه مهدي عطية منه موجود مهدي الأشقر موجود مهدي أبو عيد موجود مهدي الموسى لا موجود يوسف نور الدين موجود عندي ميكايال إذا نحن أستاذ ناقصنا سيس ألاف أو ست صاروا هلأ سيس خلينا ناخد سيس في حدا ممكن يروح عنده الكونكسيون يلا خلصنا نحن الأستاذ نوست يلا دب شوفوا أستاذ بعد في دقيقتين للحصة أوكي صفا اكتبوا أكيد مش مطلوب ندرس شيء أبدا لهلأ بس أنا اليوم عملت أستاذ حتى بعت لنا الباوربوينت على الملفات التعليمية لا مش هلا بعد الوقت
بعد العطل استاذ on va réexpliquer ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça va? استصلح تعطينا شو ما ندرس قبل بالعطلة. استاذ مطلوب منكم d'étudier le chapitre 1. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a étudié avant. كل شيء بدرس الاتوم صرنا ماخذينه مطلوب منكم تدرسوه. ميرسي ميرسي فاطمه. استاذ بقول لكم كمان ينعاد عليكم وان شاء الله السنة الجاية بتكون أفضل وأجمل وبنرجع أستاذ بكرة عطلي أنا؟ بكرة عطلي؟ بعتوا تعميم أستاذ فيك تقرا التعميم أنا ما في أقول لك شيء. إيه بكرة عطلي عم إيه بكرة عطلي شو بك؟ أستاذ يلا انبسطوا بهالعطلة غير وجهة من اليوم بالليل ببلش عاد عليك يا أستاذ ماشي ماشي تسلم مرة ان شاء الله السنة الجاية بنشوفك يا استاذ ميرسي انا عاد عليك استاذ وعليكم يا رب كنت بخير يا استاذ يلا بنشوفكم ان شاء الله بخير استاذ اوفر مسيو اوفر